Ouais, bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour Bully du joueur Epic Game. Et oui, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de vous faire une petite vidéo tueur sur Dead by Daylight. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre petit Freddy Krueger, dont on va tenter de faire sa maîtrise en même temps. Et donc, je voulais attendre une petite semaine, le temps que les jeunes Kikou de Fortnite installent Dead by Daylight. Et maintenant, c'est parti pour les Bully sans aucune forme de pitié. Voilà. On se retrouve d'ailleurs pendant l'event Halloween. Enfin non, pas Halloween, Halloween, Noël qui est actuellement en préparation. Je pense que vous aurez le droit à cet event en vidéo. En début d'année prochaine, du côté survivant, ça doit être prévu. Je voulais vous faire une game avec, avec l'artiste aussi, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de game suffisamment intéressante pour vous les record. Et donc, j'ai reporté ça, il faudra que je vous fasse ça. En attendant, on essaie de faire des bonnes games. Voilà, donc aujourd'hui, on va jouer Freddy avec les palettes oniriques. Qui sont plutôt intéressantes et on va voir un petit peu ce que cela va donner tout ça. Voilà. À savoir aussi, petite information quand même, que vous allez bientôt avoir une nouvelle série qui va apparaître normalement jeudi prochain, si je calcule bien mon coup, et qui se finira en 5 épisodes, hein, je vous préviens, hein, je l'ai déjà fini, elle est très bien, elle est montée, elle est faite, elle est propre, elle est nickel, voilà. Donc on va voir, normalement il n'y a pas de grande raison que ce ne soit pas intéressant de la voir, hein. C'est toute petite série sur un petit jeu indé. Que j'ai beaucoup aimé, que j'avais déjà fait auparavant, que j'avais un peu oublié entre-temps et que j'avais envie de vous refaire. Et donc, on se retrouve dans la salle des aliénés, l'asile de Crotus Pen. Très bien. Alors, donc nous sommes partis. On va poser quelques palettes, hein. C'est toujours ça qui est bon. Nous allons chercher nos juicy petits survivants. Hop là. Qui se rapproche de la fausse palette, nickel. Les fausses palettes qui font déjà leur effet, c'est nickel, on est en tout début de game. Pour le moment, j'ai quelqu'un qui est juste derrière moi. Je l'ai entendu. Ça dégage. Donc, nous allons partir pour un des gènes là-bas, on va... Ouais, j'ai bien fait. De ce que je vois. Voilà. Hop là. On n'est pas trop mal. Bien joué. Passer une palette, je l'ai perdu entre temps. Non, elle est partie à la shack. Tout simplement. Ça dégage. Voilà. J'aurais peut-être dû laisser la drop, la gold palette, mais vu qu'elle se soignait, c'était quand même beaucoup plus intéressant de le faire détruire sa... sa palette. Allez. Ah, mais c'est que madame a relevé la palette. Madame, ok, très bien. Madame a sa compétence. Ok, il y en a
une qui est retombée dans les tréfonds du sommeil. Bill aussi. Voilà. Hop, ça dégage. On va voir à l'étage. Il n'y a rien. Donc on va se TP. Et on va aller voir ce jeune-là. Qu'elles vont tenter de forcer. Mais c'est non. La réponse est non. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok. Le jeune là, il est fait, il est prêt. Ok, bon. Ok, on va repartir sur madame. Ça va jusque là. Ça va vouloir passer la fenêtre, mais la réponse est non. Très bien. C'est vrai, c'est vraiment cool. Vous allez faire des gènes. De toute façon, là, j'ai pas beaucoup de perks qui... J'ai aucune perk pour counter les gènes, hein, en réalité. Très bien. Ici, il n'y a rien. Ici, le gène n'a pas été avancé. Allez. Bien joué, la feinte. La feinte, elle était pas mal. Sauf que ça va être un peu short pour faire quoi que ce soit, madame. Voilà. Parfait, parfait. Ils ont repris le gène ici. Sauf que... Non, même pas. Ils n'ont même pas repris le gène. On va feinter un petit coup là. Et on va checker ce gène là qui n'a pas été avancé. Très bien. Un gène qui n'a pas été commencé là. Une palette... Ok. Donc la moitié des gènes ont été faits, mais la moitié des totems aussi. L'action aurait été très bizarre. William Bill Overbeck. Tiens, ça faisait très longtemps, hein, mais... Merci de le virer. Alors, on va continuer à le défoncer. Pardon. Bill. Merci. J'ai cru une seule seconde discrète. Tu te trompes. Pardon, c'était une fausse palette. C'est dommage. Ah mon dieu. Oh, ça joue Boone. Ça joue
totems. C'est très intéressant de savoir ça. Ici, on n'a rien. On va dégager pour éviter de camp quand même. On va te chase, toi. Ok. On la hit. On va tenter. De la toucher une seconde fois. Voilà. Bon. Ils vont forcer le gène, je pense. Non, même pas. Ah, je n'ai pas eu le temps de reload mon... Ok. En plus, l'obsession est morte, ce qui fait que les portes sont ouvrables à souhait. Intéressant. Ce bonhomme de neige n'en a rien à foutre. Ok. Un gène. Il manque deux gènes, donc on a le temps, hein. Surtout que l'un est à l'étage. Je pense que ça va être Bill qui est à l'étage. Non, c'est Feng. Feng qui est à l'étage. J'aurais jamais trouvé Bill, hein. Bien. Il va falloir penser à retenir à un moment. Il va vraiment penser à falloir. Ah mon dieu. Très bien. Donc, c'est un décès. Bonsoir à toi. Alors. Pouf pouf. Ok. On va y arriver, hein, on va y arriver. On va surtout aller sur Bill. Hop là, merci William Bill de me simplifier la vie en ayant la vigilance d'un pangolin. Merci beaucoup. On va péter le gène et on sait où elle est à peu près, donc on va aller la chercher. Voilà. Très bien. Ok. Et leur boon était là. C'était un boon de soin. Allez. Voilà. Elle était bel et bien dans une zone. La réponse était à peu près dans le coin. Voilà. Et bien voilà. Parfait, c'est comme ça mon bully du Pégu. De qualité. Voilà, on se fait des points un petit peu. Et c'est magnifique. Et la maîtrise du cauchemar faite en même temps. Voilà, et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Oh, cette magnifique... Oh, cette beauté que je viens d'avoir, là. Attendez, je ne peux pas vous laisser sans ça.
On avait un rang 1, comme quoi ça ne veut absolument rien dire. Les rangs maintenant, c'est un scandale. Voilà. Allez, pouf pouf. Mais attendez, je veux voir cette beauté pour le spectre, mon gars. Oh mon dieu. Oh là là, oh c'est magnifique. En tout cas, sur ce, ça fait plaisir. Je vous fais à tous de gros gros bisous. J'espère vous voir bientôt sur une prochaine vidéo sur Dead by Daylight. C'était Anne-Cyr pour vous servir. Allez, zou. Allez, fais voir, fais-moi voir ça, fais-moi voir ça. Oh, c'est magnifique. C'est juste absolument sublime. Je vous fais à tous des gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, zou.